Je m'appelle Marcel Guichet et je suis né le 5 décembre 1894 à Secondigny dans le département des Deux-Sèvres. Je vis avec mon père, Marie-François, mon frère Aimé et mes deux sœurs. Marie, née en 1901, et Alice, née en 1914. Notre mère nous a quittés en mars 1914. Mes parents étaient agriculteurs. Alors que je ne reçois jamais de courrier, le 3 août, j'ai été mobilisée comme soldat dans le 167e régiment d'infanterie. Voici mon histoire. Mes chères sœurs, toi Marie et surtout toi Alice que je n'ai jamais connue, je suppose que tu es belle comme maman, tout comme maman. Nous, à la guerre, c'est l'horreur. Il y a des égouements, de l'eau jusqu'aux genoux, de la bouche jusqu'au cou. Et à force d'avoir les pieds dans l'eau, nous avons les pieds qui moisissent. Il y a aussi les totos qui nous bouffent le corps. Quand on m'a réveillée pour que je reprenne la relève de la sentinelle, j'ai assisté à un éboulement meurtrier. Votre sergent a failli y passer. Moi, en tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. J'en ai marre de cette guerre. On s'entretue comme dans une boucherie. Et si je déserte, je ne pourrai plus jamais vous revoir, car je mourrai pour les hommes. Il pleut énormément. J'ai les vêtements trempés et j'ai froid. Does by chance Cher père, j'espère que tout le monde va bien. Il fait très froid dans les tranchées. Il commence à beaucoup neiger. Pourquoi se battre pendant Noël ? Noël est une fête à partager avec ses proches et ses amis, et non faire la guerre avec les Allemands. On n'a rien pour se protéger du froid. Mon ami Georges est parti à cause d'une fusillade. Vous me manquez tellement, au revoir, ma famille que j'aime, Marcel Guichet. I stopped short in the path today. Chère famille, cela fait déjà 2 ans que je suis dans la tranchée avec mes compagnons. Il y a 2 jours, un chien nous a ramené une lettre de la deuxième ligne. Nous avons été étonnés de voir un chien estafé. D'ailleurs, il ressemble beaucoup à notre chien Caramel. Je vais vous expliquer en quoi consiste le rôle d'un estafette. C'est un chien qui transmet des messages de tranchée à tranchée. Le chien est très courageux. Il a évité des obus et mordu les fesses d'un Allemand. Ma chère petite sœur, j'espère que papa te donne la meilleure des éducations. Vous me manquez beaucoup, ma petite famille d'amour, je vous aime, Marcel. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très fatiguée. Je dors 10 ou 15 minutes sous les bombardements allemands et dans la boue. Nous ne sommes jamais pépères pour dormir. Dormir est une épreuve très rude. Je ne dors pas beaucoup. Je rêve de retrouver un lit confortable. Je dors assis, debout et allongé dans la boue. Je vous aime,
votre cher frère, Marcel. Ma chère famille, je vous écris cette lettre pour vous donner de mes nouvelles. Ici, c'est de plus en plus difficile sans vous. Il y a beaucoup de Toto et de rats. Nous sommes tout le temps dans la boue. J'empeste et je n'en peux plus. Je n'arrive plus à supporter cette bouillasse. Nous mangeons mal et nous mangeons pas à notre faim. J'espère vous revoir un jour, prenez soin de vous et profitez bien. Cher père, tu me manques. J'ai fait des actes héroïques. Tu n'imagineras jamais. J'ai accompli ma mission pour la France. J'en ai bavé. J'étais en deuxième ligne. J'ai ravitaillé des munitions à mes camarades de première ligne. Je m'en suis sortie. Il y avait beaucoup de loups. Je t'aime très fort, papa. Embrasse mes sœurs, Marcel. Chère petite sœur Alice, je suis en ce moment même à l'hôpital. On s'occupe bien de moi. J'espère ne pas retourner dans cette boucherie après ce que j'ai vu. Il y avait du gaz partout. J'ai failli y rester. Mais j'ai réussi à survivre jusqu'à maintenant. Je me suis pris du gaz moutarde. Mes yeux commençaient à me piquer et je ne pouvais plus respirer. Ton frère qui t'aime, Marcel Gucher. Aujourd'hui, je vis à la chapelle Tireuil et je suis agriculteur. Je me suis mariée à Juliette Girard en 1920 et nous avons eu 5 enfants. Gabriel, Yvonne, Roger, Annette et Janine. Nous coulons des jours heureux loin de cette guerre atroce et inhumaine. En espérant que ce cauchemar soit terminé. Marcel Guichet. Thank you.
is the color of the world. It's impossible to describe the infinite variety of hues and tints and shades. Spring is brown, summer green, autumn yellow, winter white.